Hello tout le monde et bienvenue sur Daily Baby, la chaîne où on débriefe nos lectures et parle des petites et grandes choses de la vie. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est le symbole du féminisme en Corée du Sud, un livre qui déchaîne tellement les passions que les hommes demandent à leurs copines de choisir entre eux et cette œuvre. Je vais pas vous mentir, mais j'espère qu'elle a choisi le livre parce que vu ce que son gars lui demande, clairement, ce n'est pas un homme de qualité. En tout cas, lorsque Kim Ji-young a été adapté au cinéma, ça a provoqué des ruptures, ça c'est sûr. Entre le mouvement MeToo et cette œuvre, il faut croire que les gars super relous étaient au bout de leur vie. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait voir ensemble pourquoi ce merveilleux livre a rendu fou les hommes coréens. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Pour ceux qui ne connaissent pas, Kim Ji-young, née en 1982, c'est l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années, Kim Ji-young donc, et elle est mariée, elle a un enfant et en apparence tout semble aller pour le mieux dans sa vie, mais du jour au lendemain, elle craque et commence à parler et à se comporter comme des femmes qu'elle a connues. Donc ça peut être par exemple sa mère, des amis d'enfance, ses collègues, etc., etc. Du coup, son mari décide de l'emmener chez le psy parce qu'il est totalement paniqué et voudrait du coup trouver une solution pour qu'elle aille mieux. Le roman est super court, il fait 160 pages à peine, mais il nous retrace vraiment la vie de Kim Ji-young de son enfance jusqu'à sa vie de jeune mère et je comprends pourquoi elle a pété un câble. Elle nous explique en étant très claire pourquoi elle a l'impression que les femmes partent perdantes dans la vie et pourquoi, selon elle, les mentalités ne changent pas vraiment. C'est vrai que lorsque je suis arrivée à la fin du livre, je me suis dit, elle a pas tort, la petite, et juste pour la fin, je pense que le livre mérite d'être lu. Ça m'a vraiment laissée bouche bée et un peu déprimée aussi, parce que je me suis dit que le sexisme et le patriarcat avaient vraiment de beaux jours devant eux. C'est une fin qui était forte et juste. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler la fin, on n'est pas là pour parler de la fin. Donc du coup, parlons de ce que dénonce ce livre et ce qui a rendu fou les gars les plus relous de la Corée du Sud. Le gros sujet du livre, c'est le sexisme. Et l'intrigue nous montre vraiment que le sexisme et le patriarcat nous bercent depuis le plus jeune âge. Dès l'enfance, on fait sentir à Kim qu'on aurait préféré qu'elle soit un homme. Par exemple, lorsqu'elle est née, sa mère a pleuré et s'est excusée auprès de sa belle-mère et de son mari de mettre au monde une fille. Super. Alors que bon, ils ont un enfant en bonne santé, donc ils devraient être contents, d'après moi. Du coup, sa mère se stresse pour avoir un troisième enfant et surtout pour que cet enfant soit un garçon. Donc, dès toute petite, on fait comprendre à Kim que sa présence n'est pas suffisante et surtout que elle égale pas en fait la présence d'un petit garçon dans la famille. Et en fait, les femmes se trouvent automatiquement à la seconde place, peu importe ce qu'elles font, ce sera toujours numéro 1 les hommes et numéro 2 les femmes. Donc Kim Ji-young et sa sœur partagent les fournitures scolaires, elles ont des vêtements de seconde main et elles se partagent un parapluie quand il pleut, mais leur petit frère, il a le droit à un parapluie pour lui tout seul. Oui, cette histoire de parapluie m'a choquée, oui, je confirme. Donc leur petit frère a des vêtements pour lui tout seul, il a le droit à son parapluie et il a également sa propre nourriture. Et pour ceux qui diraient Non, mais c'est parce que c'est le plus jeune, donc c'est le chouchou, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un garçon. je répète qu'on aurait préféré avoir un garçon à la place de Kim Ji-young, et puis que quand ils sont à table, ils servent d'abord le père, ensuite le fils, et après on servait les femmes. Donc si c'était pas une question de sexe et qu'ils voulaient juste être polis et respectueux, ils auraient pu servir, je sais pas moi, la grand-mère en premier, vu que c'est la plus âgée. Donc oui, dès le plus jeune âge, on montre dans la tête de Kim Ji-young qu'elle est moins importante que les garçons et qu'il faut accepter les mauvais agissements des garçons, puisque bah, les garçons, ce sont des garçons, donc pourquoi est-ce qu'on essaierait de les changer? Et vraiment, c'est ça qui m'énerve de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, c'est qu'on entre des préjugés super néfastes dans la tête des enfants, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, et c'est super nuisible. Parce que en quoi est-ce que c'est une bonne chose de dire à un garçon, par exemple, qu'il n'a pas le droit de pleurer? En quoi c'est une bonne chose de dire à Kim que si un garçon l'embête et la fait pleurer, c'est sûrement parce qu'il est amoureux d'elle? Genre, risque d'intérêt. Et dans l'intrigue, on voit bien que ces stéréotypes ne sont pas du tout naturels et qu'ils n'ont aucun sens parce que petite, Kim Ji-young se pose des questions et elle essaie en fait de résister à ces injonctions sexistes. Par exemple, elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui est supposé l'aimer serait méchant avec elle et surtout pourquoi
pourquoi elle devrait faire des efforts pour que cette personne devienne son amie. Et c'est vraiment ça le pire, parce que le gars la martyrise et elle doit limite le remercier. Genre, est-ce que c'est super difficile de comprendre en quoi cette logique est ultra tordue? Parce que moi, je vois vraiment à quel point c'est tordu. Je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois. J'espère qu'on voit ensemble. Enfin bref, depuis son enfance, on entre des préjugés sexistes dans la tête de Kim Ji-young, et même si certaines idées lui paraissent bizarres, même totalement bizarres, et qu'elle pose des questions, petit à petit, elle se fait à l'idée qu'elle est moins importante qu'un garçon, et elle se fait plus petite, et finalement, bah, elle se fait juste à cette injustice, quoi, elle se fait au sexisme qu'elle a, qu'elle voit autour d'elle. Dans le livre, on voit aussi qu'avec le temps, la société a évolué et que les mentalités changent petit à petit. La mère de Kim Ji-young, elle a eu plus d'opportunités que sa grand-mère et Kim Ji-young a également eu plus d'opportunités que sa mère. Par exemple, Kim Ji-young et sa sœur ont pu étudier à l'université parce que leur mère a tout fait pour qu'elles aient cette opportunité en mettant de l'argent de côté et pour que ce soit pas juste leur petit frère qui aille à l'université. C'est triste, mais l'université c'est cher, du coup ça arrivait très souvent qu'il y ait des parents qui se saignent pour envoyer au moins un enfant à l'université, celui qui s'en sortait le mieux à l'école, bien évidemment. Enfin, celui qui s'en sortait le mieux à l'école, enfin, on s'est compris, hein, le garçon. Donc bref, j'aime bien la mère de Kim Ji-young parce qu'elle nous permet de voir que la société coréenne a évolué. Elle apprend à avoir du recul sur ce qu'elle a vécu, sur la place de la femme dans la société coréenne, sur les relations hommes-femmes, etc. Et en fait, cette déconstruction sert à ces filles parce que du coup, elles prennent plus d'initiatives. Par exemple, elles tentent d'atteindre leur objectif professionnel. Et elles parlent plus facilement quand une situation ne leur convient pas. Mais on peut quand même se demander si les mentalités ont vraiment évolué. Parce que dans l'intrigue, on voit que les femmes étudient plus longtemps et que le gouvernement vote des lois en faveur de l'égalité homme-femme. Mais dans les faits, on voit que c'est pas si simple que ça. Et c'est encore le cas maintenant parce que en 2019, donc c'est très récent, les Coréennes de 25-34 ans sont plus diplômées que les Coréens. Mais la Corée fait toujours partie des pays où il y a le plus de disparités entre les salaires des hommes et celui des femmes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais près de 70% des Coréens entre 25 et 34 ans ont un diplôme de niveau master, donc un diplôme quand même assez élevé. Et malgré ça, elles galèrent quand même à trouver un poste et à être payées aussi bien que les hommes. Enfin, c'est ouf. Du coup, on se rend compte que les entreprises préfèrent embaucher des hommes parce qu'apparemment, ils sont plus forts, il faut les dédouaner du service militaire et ce sont de futurs chefs de famille. Donc apparemment, maintenant, c'est un argument d'embauche. Par contre, attention, une femme trop intelligente, c'est souvent synonyme de problème. Pourquoi? J'en sais rien. Ça doit sûrement faire peur aux futurs chefs de famille que les hommes sont. Ah oui, il y a aussi un argument que les entreprises n'oublient pas de mentionner, comme si c'était le pire défaut de l'humanité, c'est que les femmes tombent enceintes. Oui, les femmes tombent enceintes, c'est nouveau, et du coup, elles ont des enfants. C'est vraiment un point qui m'a dépassée durant toute ma lecture, c'est que les femmes ont toujours la pression en ce qui concerne les enfants ou même la famille de manière générale. On va stresser les femmes à se marier quand elles sont en couple. Puis quand elles sont mariées, on va les stresser pour avoir un enfant. Puis quand elles sont enceintes, on va les stresser pour que l'enfant soit un garçon. Et quand elles accouchent, si elles choisissent de travailler, ce sont des mauvaises mères. Enfin bref, peu importe ce qu'elles font, bah c'est pas bien. Par exemple, il y a une scène où Kim Ji-young est enceinte et elle prend les transports pour rentrer du travail. Il y a du monde dans les transports et tout le monde voit qu'elle est enceinte, mais personne la laisse s'asseoir. Pour l'instant, c'est juste une journée dans les transports parisiens, donc rien de bien nouveau. Et là, il y a une femme qui sort de nulle part et qui se permet de la bousculer et de lui dire que une femme enceinte ne devrait pas travailler. Genre, pardon. Et c'est ça qui fait que le parcours de Kim Ji-young est vraiment frustrant et c'est énervant. Genre, je vis la rage avec elle parce que elle fait des efforts pour décrocher un bon diplôme, elle fait des efforts pour trouver un travail qui lui plaît et parce qu'elle a un enfant et qu'elle est désormais mère au foyer. Bah, on considère que c'est une mère parasite. Et oui, j'ai bien dit mère parasite parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans le livre et c'est également un terme assez commun dans la culture coréenne. Et ça me rend ouf parce que c'est Kim qui porte le poids de l'éducation de leur enfant. C'est elle qui doit demander s'il est possible d'inscrire leur enfant dans une crèche. C'est elle qui fait les démarches d'inscription. C'est elle qui doit faire des sacrifices. Enfin, c'est toujours Kim, 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 Kim qui doit faire des choix pour le bien-être de leur enfant. Et je dis bien leur enfant,
Mais quand elle parle, elle dit mon enfant. Donc on a envie de dire where is le papa? Et ok, le père est gentil, mais depuis quand la gentillesse, en fait, c'est ce qui définit un bon père? Dans l'intrigue, c'est un point qui m'a vraiment perturbée. Ça m'a donné l'impression que les hommes veulent des enfants, des fils de préférence, mais qui veulent uniquement l'image que ça renvoie et le statut que ça leur donne, mais pas plus. Ils veulent pas s'investir, ou peut-être que eux, ils considèrent qu'ils s'investissent différemment, juste en apportant l'argent, et ils laissent tout le poids de l'éducation, en fait, sur les mères. C'est très perturbant. Mais il y a vraiment quelque chose qui me fait rire, parce que c'est un livre qui parle de femmes, de ce qu'elles ressentent en grandissant, et il dépeint aussi une certaine réalité, vu qu'il y a des statistiques qui donnent raison à l'histoire. Mais malgré tout ça, il y a des hommes relous qui ont réussi à faire tourner le livre autour d'eux, genre. J'en peux plus de cette population. Donc, d'après eux, Kim Ji-young, né en 1982, c'est plus un livre sur le sexisme ou sur le féminisme, c'est juste un manifeste contre les hommes. Mais vraiment selon eux, hein, parce que personne ne leur a rien demandé en fait. Et ça me tue parce qu'avec tout ce que ces hommes auraient pu tirer de ce livre, tout ce qu'ils retiennent, c'est que ce sont les hommes les grands méchants de l'histoire. Genre, il y a 166 pages dans le livre, c'est pas long, c'est vraiment pas long. Et à aucun moment ils se sont dit: Ah ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à changer dans la société. non, non, non. Par contre, ils ont trouvé le temps de dire à leur copine: c'est cette œuvre ou c'est moi. Enfin, à quel point ils doivent se sentir en insécurité pour penser qu'une personne qui demande un peu plus de considération et de respect peut être un danger pour leur liberté. Vraiment, je suis perdue. Je pense aussi que l'une des raisons pour lesquelles ce livre est ultra populaire en Corée et pour laquelle il fait peur aux hommes relous, c'est qu'énormément de femmes peuvent s'identifier à Kim Ji-young. Le livre aborde des sujets qui font énormément débat en Corée du Sud aujourd'hui, donc par exemple la pression exercée par la famille ou les difficultés à trouver un travail après les études. Et je pense que les Coréennes se sont encore plus identifiées à l'histoire de Kim Ji-young parce que le nom Kim Ji-young n'a pas été choisi au hasard. C'est un nom qui est très répandu en Corée du Sud et c'est également le nom qui a le plus été donné en 1982. Donc je pense qu'en Corée, ils n'auraient pas vu la différence si on avait appelé le livre L'histoire de toutes les femmes coréennes nées en 1982. Mais par contre, pour moi, c'est juste un titre comme un autre parce que bah, je connais pas la culture coréenne, je vis pas dans ce pays. Mais pour les Coréens, je pense que rien qu'avec le titre, ils peuvent comprendre que c'est un livre engagé et qu'il y a un vrai message derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je trouve que le message s'adresse pas uniquement aux Coréennes. Donc, comme je disais, je connais pas la culture, j'ai pas grandi là-bas. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas pu m'identifier au personnage principal, bien au contraire. Et je trouve que son histoire est tout aussi pertinente pour un public français. En France, par exemple, on admet assez facilement que c'est la femme qui fait le plus souvent les tâches ménagères et qui se charge de l'éducation des enfants. Et je sais pas si vous avez entendu parler de la BD Fallait demander d'Emma. Je vous la mettrai en barre de description. Et c'est ce qui nous avait permis à l'époque de parler de la charge mentale. Et énormément de femmes s'étaient reconnues dans cette BD. Et il y avait également une autre histoire, ça avait bien tourné sur Twitter, c'était super drôle, enfin drôle et désespérant. Mais il y avait une Britannique qui était super épuisée de toujours devoir faire le ménage chez elle, et surtout qu'aucun membre de sa famille l'aide. Du coup, elle avait fait la grève du ménage. Et ça avait mis 3 jours aux membres de sa famille pour se rendre compte que la maison était genre crade. Et pour commencer à faire la vaisselle ou même sortir les poubelles. Donc ouais, je pense qu'on peut ne pas être coréenne et comprendre le stress que vit Kim Ji-young au quotidien. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. J'ai mis 5 étoiles à Kim Ji-young né en 1982. Je trouve que l'intrigue est super bien construite et surtout je trouve que l'autrice a réussi à retracer la vie de Kim Ji-young sans qu'il y ait des longueurs dans l'histoire et sans faire des formules super alambiquées. C'est vraiment un roman qui est court et qui est percutant. Ce que je tire également de Kim Ji-young né en 1982, c'est qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour venir à bout du patriarcat et du sexisme. Et contrairement à ce que veulent nous faire penser les hommes relous qui hate sur ce livre comme Jaja, l'autrice n'est pas du tout contre les hommes. Enfin, c'est pas du tout le message du livre en fait. Elle établit juste un constat. Après, c'est vraiment libre à chacun de participer ou pas à un futur un peu plus égalitaire. Aujourd'hui, je vous recommande un roman qui parle de femmes et de parcours de vie. C'est La Tresse de Laetitia
Colombani. C'est l'histoire de trois femmes, Smita, Gilia et Sara. Elles ne se connaissent pas et elles vivent sur des continents différents. Mais en tant que lecteur, on va les rencontrer à un moment où elles devront prendre une décision cruciale ou affronter un moment majeur pour la suite de leur vie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman parce qu'il nous montre que selon notre classe sociale et l'endroit où on est né, on affrontera toujours des difficultés. Après, c'est sûr que les difficultés seront différentes, mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de difficultés. C'est vraiment un livre que je vous recommande parce qu'il nous montre qu'on peut jouer un rôle dans notre vie et dans celle des autres, et que nos décisions sont importantes et peuvent influer en fait sur notre vie, sur celle des proches et des fois même sur la vie de personnes qu'on ne connaît pas. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des avancées féministes. Est-ce que vous trouvez que les mentalités évoluent? Est-ce que vous trouvez que les hommes autour de vous sont plus investis qu'avant dans les tâches domestiques ou même dans l'éducation des enfants? Et surtout, le plus important, qu'est-ce que vous auriez fait si un gars relou vous avait dit c'est moi ou c'est Kim Ji-young né en 1982? Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cartes secrètes. Tchuss!